Bienvenue à la première table ronde de ce colloque consacré à la thématique englobante de la temporalité, vision du passé et imagination du futur. Je m'appelle Jennifer Carter, je suis professeure au département d'histoire de l'art et directrice des études supérieures en muséologie. Et je suis également l'animatrice de cette table ronde intitulée « La mémoire à l'intérieur de ce présent, temporalité, fissure, transformation ». Est-ce que vous m'entendez tous? C'est bien? D'accord. Mon souhait pour ce panel est de stimuler un débat autour des différentes pratiques et impératifs de la mémoire, en d'autres mots, porter notre regard sur le travail mémorial, comme le dit si bien Ligia dans sa présentation qu'on entendra tout à l'heure, dans le monde actuel, et ainsi réfléchir sur des questions d'ordre éthique, moral et représentationnel par rapport à des logiques et des dynamiques de pouvoir dans des contextes géopolitiques différents. Comment ces contextes, dans un même présent, influent-ils différemment sur nos conceptions de la mémoire dans l'espace public? Plus précisément encore, je me demande comment nous nous agissons au sein d'un présent marqué autant par l'incertitude et des positions idéologiques qui fragilisent le vivre ensemble que par l'espoir pour la réconciliation et un meilleur avenir, un aspect qui a été évoqué hier soir d'ailleurs. À l'écran et en guise d'introduction, je vous montre le court descripteur. Oups, pardon, je dois maîtriser la technologie. Ah oui, c'est vrai, merci. J'avais oublié. Ça ne marche pas très bien. Ah! Est-ce qu'on peut le faire manuellement? Merci. Donc, c'est la deuxième diapo. Merci, Magali. À l'écran et en guise d'introduction, je vous montre donc le court descripteur qui a été, oui, c'est ça, merci, soumis aux intervenants et qui résume de manière succincte les problématiques que nous tenterons d'aborder dans le temps qui nous est accordé. Si, dans les paroles d'Andreas Heussen, la représentation sous toutes ses déclinaisons prend forme dans la mémoire, quel mode, politique, social, symbolique et métaphore, récupération, reconstruction, recherche, pour ne nommer que trois, conviennent à la mémoire et à la représentation du présent, si incertain soit-il? Comment les différentes postures, l'oubli, l'obsession, le souvenir, devant ce phénomène individuel et collectif, permettent-elles d'établir de nouvelles relations avec les espaces et les temporalités du passé et à venir? Nos cinq intervenantes et intervenants ont collectivement des démarches pluridisciplinaires, tant par la diversité de leur domaine de recherche lié à la mémoire, que par leur méthode de recherche et de création, et les formes que prennent leurs pratiques. Par le biais de quelques questions transversales, ils et elles aborderont les différentes philosophies et pratiques qui ont imprégné les actes et expressions de la mémoire sociale et culturelle au contemporain, en allant des droits de la personne et des mouvements sociaux à la violence et les mémoires sensibles, à l'identité et au patrimoine architectural, et finalement aux mouvements écologistes et environnementaux. Leurs pratiques sont tellement riches à cet égard que je préfère limiter mes introductions à leur parcours académique afin de leur laisser tout le temps et la parole pour présenter individuellement leurs recherches et leurs créations. Mais si je peux me permettre un petit lien avec le débat initié hier soir, Cynthia Milton parlait de la nécessité et de l'urgence même de trouver les mécanismes pour ouvrir le dialogue et provoquer le débat. Les photos qui m'ont le plus frappée étaient justement celles qui avaient annoncé ce débat avec un premier geste, une première intervention dans l'espace public, soit avec le graffiti ou autre. Et je trouve que c'est intéressant de garder cette image en tête à mesure que nos discussions évoluent ce matin. Je vous présente donc nos cinq intervenants. Marie Lavorel, à ma gauche, est titulaire d'un doctorat du profil international en muséologie, médiation, patrimoine du LUCAM et en sciences de l'information et de la communication de l'Université d'Avignon. Ses recherches portent sur la patrimonialisation des mémoires sensibles et traumatiques, l'écriture de l'histoire contemporaine, l'histoire orale,
l'art contemporain, la danse contemporaine et son exposition, l'art public et l'architecture contemporaine. Elle poursuit actuellement des recherches postdoctorales à l'Université Concordia en histoire orale, géographie et humanité digitale. Elle est également commissaire d'exposition indépendante et chargée de cours à la maîtrise en muséologie de l'UQAM et nouvellement membre associé du CELAT. Sophie Mankowski est diplômée en psychologie de l'Université Simon Fraser et détient une maîtrise en architecture de l'Université de la Colombie-Britannique. Son parcours multidisciplinaire sur deux continents l'amène à travailler en éducation, en architecture et en conservation. Pendant 10 ans, elle s'est intéressée aux enjeux autour de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine bâti moderne, en siégeant sur le conseil d'administration de l'organisme Docomomo Québec. À la suite de son implication, elle développe en 2010 la formule des balades documentaires avec 2 projets, l'un sur l'histoire du centre-ville de Montréal à travers le développement de ses transports et l'autre sur les vestiges de l'exposition universelle de 67. En 2013, elle cofonde l'ONBL Portrait sonore en se donnant comme mandat de dynamiser notre regard sur le patrimoine bâti à l'échelle du Canada. Titulaire d'un Master 2 de recherche en sociologie à l'Université Paris 10 et d'un diplôme de l'Institut d'études politiques de Toulouse, Simon Chaunu est doctorant en sociologie à l'Université Laval depuis 2015. Sa thèse porte sur la socio-histoire de la critique radicale de la société industrielle et ses intérêts de recherche l'amènent à l'histoire de la critique de la technique et de l'industrialisme, la socio-histoire des idées politiques et la sociologie des intellectuels. L'étude des relations entre la rationalité néolibérale et l'individualisme contemporain, la théorie écologiste, la sociologie et l'histoire environnementale. Ligia Segala, qui arrive du Brésil cette semaine, est titulaire d'un doctorat en anthropologie par l'Université fédérale de Rio de Janeiro en 1998. Aujourd'hui, professeure à la faculté d'éducation et au programme de post-graduation, on le dit en anglais en fait, en culture et territorialité à l'Université fédérale Fluminense, c'est ça? Ligia est également chercheure associée du programme de mémoire des mouvements sociaux du Collège brésilien des hautes études de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, ainsi que coordonnatrice du laboratoire d'éducation et patrimoine culturel de l'UFFF. Ses projets de recherche portent sur la mémoire sociale et le patrimoine culturel, l'anthropologie du travail et les études biographiques, ainsi que l'anthropologie et les images. Et finalement, à ma droite, Francine Saillant est professeure émérite au département d'anthropologie de l'Université Laval. Spécialiste de l'anthropologie des droits humains, elle mène des recherches sur les discriminations fondées sur l'idée de race et sur diverses formes de discrimination basées sur la construction sociale des différences. Elle s'intéresse aux divers usages et interprétations qui sont faites des notions de justice et de droit, et de façon plus générale, à la vie sociale des droits. Ses intérêts s'étendent aussi au domaine de l'interculturalité et des usages de l'art dans les sciences humaines et sociales. Francine est membre de plusieurs organisations scientifiques prestigieuses, dont la Société royale du Canada. Elle est membre émérite de la Société canadienne d'anthropologie. Enfin, elle participe aux travaux du Comité de la décennie internationale du rapprochement des cultures de l'UNESCO, et elle collabore à diverses organisations de la société civile en lien avec les questions de dialogue interculturel et de reconnaissance. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, la première, on va procéder par questions pour la table ronde, y compris celle que nous pourrons recevoir de vous. Mais j'aimerais lancer le débat avec une toute première question qui permettra justement à nos intervenantes et intervenantes de présenter autant leur position vis-à-vis de la mémoire que leur recherche. La première question, quels sont selon vous les grands enjeux politiques, culturels, artistiques ou autres de la mémoire du 21e siècle et comment votre recherche, vos créations, vos praxis, vos pratiques sont-ils formulés en lien avec cette conception de la mémoire, que ça soit dans une logique de préservation, de désinstrumentalisation, de redéfinition ou encore autre.
J'invite, commençons avec Francine pour présenter tes idées, s'il te plaît, et puis on va faire le tour, la tour de table. Alors, si j'ai bien compris, le mandat qui nous a été proposé, c'était vraiment d'appuyer sur ce genre d'interrogation sur des projets de recherche précis. Donc ici, le projet que j'ai choisi, j'aurais pu faire d'autres choix, mais c'est le projet Interreconnaissance, dont je vais donner sur lequel je vais donner quelques informations pour ensuite positionner cette question de la mémoire. La dernière chose que je vais faire, c'est de répondre de manière générale et encyclopédique sur la question. Ce serait complètement contraire à l'esprit de ce projet, qui a été un projet collaboratif avec beaucoup d'organisations de la société civile, avec 8 chercheurs, incluant ici Ève Lamoureux. Et au fond, les débats autour de cette question de la mémoire des droits, qui était dans le contexte de lutte sociale au Québec sur une 50aine d'années, plus fort encore. Hein. Cette question de la mémoire des droits, c'est pas très bonne pour ça, assise. Alors, donc, parler de cette question de la mémoire des droits avec dans le contexte des organisations de la société civile et des groupes communautaires et avec un groupe de 8 chercheurs qui représentent autant de tendances à l'intérieur de ces mouvements, de ces luttes qui se sont conduites aussi par et avec les milieux communautaires. Tout cela nous a amené, au fond, à travailler de manière à la fois collective et singulière. Et ceci était extrêmement compliqué. En gros, on a voulu essayer de comprendre comment les grandes mobilisations sociales sur une 50aine d'années portées par le milieu communautaire et ses réseaux et portant sur la situation de groupes en situation de minorisation et de groupes qui ont été finalement actifs dans les mobilisations autour des droits. Donc, tout cela a été au centre de la recherche. Comment travailler cette mémoire, puisque pour la plupart, on parle ici de personnes en situation de handicap, de personnes migrantes, de personnes fragilisées sur le plan de la santé mentale, de personnes, on parle des femmes, on parle du milieu LGBT, on parle aussi des artistes qui ont accompagné tous ces mouvements. Alors, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de postures et ça veut dire une pluralité d'acteurs, une pluralité de discours, une complexité finalement de cette mémoire, ici dans notre cas portée par des acteurs témoins, donc des gens qui ont été au cœur des grandes mobilisations sociales et qui étaient capables d'en faire la narration. On a un problème de contrainte par rapport aux sources. Si on réfère à ce qui s'est dit hier autour de l'histoire, eh bien, pour la plupart, moins pour les femmes, mais beaucoup pour tous les autres groupes, les références historiques manquent. Et la perspective des acteurs témoins présents au moment des mobilisations et qui étaient capables de porter cette mémoire-là était centrale dans la recherche. Sans vouloir écraser aucune des perspectives, aucun des groupes, mais en essayant de rendre compte de cette pluralité qui, pour nous, portait une part de cette vérité, s'il y a quelque chose à dire, autour de la justice sociale. On a travaillé aussi à partir de traces visuelles, des objets, toutes sortes de choses qui nous ont été laissées par les acteurs témoins, mais aussi à partir des traces et des œuvres laissées par des artistes qui ont été très importants dans la transformation de l'imaginaire de la justice au Québec et de l'imaginaire des droits, puisqu'ils ont accompagné, pour plusieurs, chacun des mouvements. Ils ont travaillé par leurs performances, leurs tableaux, leurs chansons, leurs pièces de théâtre, etc., cet imaginaire-là, et c'est sans doute beaucoup
au-delà des manifestations publiques, hein, qui est souvent l'image qu'on a des mouvements sociaux, au-delà de ces manifestations, quelque chose qui a pénétré, qui a capillarisé, je dirais, au Québec, l'imaginaire de la justice. Alors, une équipe de chercheurs de huit personnes, du travail intense sur presque 7 ans. Alors, on aura l'occasion, je pense que ça dit quelque chose, mais autour de la question de la conception de la mémoire, eh bien, vous dire, on n'avait pas une définition au préalable si claire. Elle s'est imposée par la pratique de recherche que nous avons retenue collectivement et elle s'est précisée, au fond, à travers tout un ensemble d'enjeux politiques, éthiques, du travail collaboratif, aussi bien entre les chercheurs, avec les chercheurs, qu'avec les milieux concernés. Alors, j'en dirai pas plus et on pourra revenir. Ben, merci. Je crois qu'on aura l'occasion quand même de parler quand il y avait dissensus, peut-être, entre les groupes. Essayer. OK. On va poursuivre avec la thématique de la justice sociale. Dans cette présentation, il est en question ma recherche collaborative avec un réseau d'habitants de favelas de Rio de Janeiro sur un passé récent enflammé comme mémoire du temps présent. Le défi des temporalités, des territorialités spécifiques à partir d'un contexte de violence urbaine et de l'expérience de musées expérimentaux communautaires dans deux favelas, bidonvilles, de Rio de Janeiro. Le marqueur de mémoire seront le corps de mort, l'art éphémère et la ruine. Bon, pour la construction formelle de cette petite présentation, je m'inspire au hip-hop du MC Leonardo brésilien de Rio, qui fait défiler des fragments textuels autour d'une idée. Ou au livre de Le sel de la vie de Françoise Héritier, anthropologue française. La réflexion de ce livre est présentée comme une énumération, une simple liste en une seule grande phrase. Je mêlais progressivement de souvenirs privés, durables, fixés en image mentale forte pour toujours. Les difficultés dans cette recherche énorme de la distanciation et de la problématisation de la juste distance, selon Bemensa, de l'observation participante, de l'objectivation de la participation, selon le terme de Bourdieu, la contamination violente, la commotion, la peur, le mémoire sensible, l'imprévisibilité. La répétition quotidienne par le média de cas dramatiques de corruption politique et de morts dans les favelas et dans les périphéries urbaines brésiliennes instaure en temps présent étendu et circulaire. Simultanément, toutefois, il y a une contraction de ces temps en raison de la vitesse à laquelle s'accumulent les versions, les disputes narratives amplifié par les technologies de l'information. Dans cette temporalité virale, paradoxalement étirée et comprimée, l'exercice compréhensif est ambigu ou fugace et les valorisations abusives et radicalisées. La culture de la mémoire à l'intérieur des politiques publiques culturelles au Brésil prennent de l'importance à partir de la Constitution citoyenne de 1988. Il y a la création de programmes publics nationaux et locaux de lieux de culture, lieux de mémoire, surtout pendant le gouvernement Lula de 2003 à 2010, qui sera aujourd'hui mis en prison. Les populations pauvres dans les quartiers vulnérables ont été considérées comme l'un des publics cibles.
l'inflation de projets patrimoniaux, l'essence de souvenirs total de territoire ou de automuséalisation excessive par vidéo et par l'Internet, l'extension conceptuelle, catégorielle, chronologique et topographique de l'idée du patrimoine telle qu'elle développée par Nathalie Hennig, l'affirmation croissante de patrimoines culturels locaux et régionaux, déplaçant l'accent constitutif de l'identité nationale vers d'autres identités sectorialisées en fonction de manifestations culturelles spécifiques. Le cadre territorial et le mythe temporel de la nation ne semblent plus mobiliser suffisamment le projet de référence culturelle et de reconnaissance sociale. Il faut souligner aussi le processus sélectif dans ce procès et la relation de force que le traverse. 2016, un constat. L'effacement de Favelas de Rio dans l'inventaire pour la reconnaissance de la ville comme premier paysage urbain classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les consentements arrangés, les négociations en faveur d'une mémoire urbaine caricaturale et passéiste, exclusive et spectacularisée au profit des investisseurs et du tourisme. De l'autre côté, je prends le musée de Favelas. Tout d'abord, le musée Sankof de Favela de Rocinha, c'est la plus grande de Rio. Elle est située dans la zone sud, c'est la zone la plus riche de la ville, et qui s'organise en 2009 à partir de la mobilisation de jeunes universitaires qui habitaient la favela. C'était un projet d'un musée itinérant, de parcours, de constitution de fonds en mouvement, d'expositions temporaires comme de foires, de cordées de textes, d'images installées dans les impasses et dans les ruelles de la favela, de performances, de graffitis. La volonté de mémoire et de dignité sociale. Rendre public certaines versions souterraines de l'histoire qui sont rappelées à la mémoire comme de points d'appui pour de revendications sociales et politiques. Avoir une visibilité positive sans les marques discriminatoires ou d'accusations. La production et la discussion de mémoires négociées ou interdites, de récits, de réparations. 2016, le coup d'État parlementaire au Brésil, les temps de crise, la banalisation de la violence, la perte croissante de droits, droit au travail, droit à la mémoire, droit d'aller et venir, droit à la vie. À la favela de Rocinha, les conflits entre les trafiquants de drogue et des opérations de police contre les trafiquants sont de confrontations armées basées sur une logique d'opposition complémentaire liée à la corruption. Intervention des forces armées en septembre 2017. Les frontières de la peur et du danger, les lignes de tir, le temps du siège, le vocabulaire de la guerre et de la paix muette, le mot vivant de, je cite, « gronder en dedans ». C'était le corps de mort. Depuis 2017, 54 personnes ont été tuées brutalement à Favelas, depuis septembre de 2017. Le nombre de jeunes assassinés dans les favelas et dans la périphérie des Rio depuis 2013, ça va plus de 22 000 personnes, pour la plupart de jeunes noirs. Le projet
maintenant c'est un autre musée communautaire, du musée du complexe de Favela de Marais, au nord de la ville, une région de plus grands conflits armés, projeté de représenter ce temps présent en recouvrant l'un des espaces d'exposition d'images en rayon X, avec deux corps transpercés de balles, sans visage et sans identité, mode de registre mémoriel et de dénonciation du caractère intentionnel des exterminations. Marielle Franco était originaire de cette favela. Elle a été exécutée à un plein centre de Rio de Janeiro tout récemment, le 14 mars dernier. Le bal retrouvé appartenait à la police. 38 ans, noire, favelada, c'est-à-dire elle est née et a vécu dans la favela, lesbienne, c'était une militante pour les droits humains. Elle a présenté sa maîtrise en politique publique dans l'université où je travaille. Élue conseillère municipale de Rio pour le parti politique Socialisme et Liberté, elle avait été la cinquième conseillère ayant reçu le plus grand nombre de voix. Elle défendait les intérêts, les droits des habitants de favela et en particulier ceux des femmes noires. Elle dénonçait avec courage le racisme et la violence policière. Sa trajectoire est un emblème de tous les droits qui ont été acquis au Brésil par la population en situation de minorité dans les dernières décennies. Sa mort brutale a une grande répercussion, entraînant des centaines de personnes à manifester dans les rues dans tout le pays. Le temps vivant de l'événement dépasse l'événement lui-même. Il se répand dans les répercussions, les mobilisations, les expressions objectives de registres. Le passé récent, dans cette superposition véloce d'images et de chiffres textuels discontinus, grandit et s'enflamme comme mémoire de temps présent. Dans les expressions de deuil pour Marielle, la mémoire immédiate de temps présent s'objective comme de graffitis superposés dont les encres sont toujours fraîches. Hommage fougasse collé sur une plaque de rue, fleurs, et mots de protestation et de résistance ou d'affection dessinés sur le mur à l'endroit de la mort. À travers ce marque se dessine une cartographie urbaine de la dénonciation et de l'exécution sommaire. Marielle est vivante et rappelée dans ses passés récents, dans les rues de la ville, dans les centres et dans les favelas, en tant que discours, en tant qu'art éphémère indigné. On le voit déambuler sur le t-shirt, les tatouages pour toujours. Néanmoins, il y a eu des polarisations accentuées via Internet, circulation de registres radicaux d'accusations, des textes, des images, de caricatures, la diabolisation de différences qu'elle incarnait. On assiste dans la concurrence pour le CPS, dans la connectivité mobile et dans les games sans critères de l'injure verbale, à la potentialisation de fake news au pouvoir de démolition morale, le cortège de procès juridiques ouverts par le genre, les familles, les amis contre Facebook. Ces conflits vitaux et virtuels s'arment et se désarment dans le jeu de privilèges et de prérogatives, dans les frictions entre éthique et post-vérité dans ces pays où on gratifie la délation. La dépréciation de l'autre apparaît comme un mode particulier d'épuration de la politique, sublimation de la honte et réécriture du passé, comme vengeance symbolique, très souvent au nom de la parole de Dieu. Ces excès, presque toujours inassimilables, produisent de rejets sommaires, effacements, oublis, parfois volontaires. La concurrence des versions d'images, des monumentalisations éphémères. Qu'est-ce qu'emporte dans ce présent éclaté par le travail mémoriel dans le musée des favelas? Qu'est-ce qu'on doit garder pour transmettre?
l'étoile de la rue, le corps, les débris, la ruine. L'intervention artistique de Marcel Aubin, le reste d'un escalier, reste d'une œuvre incomplète, devient un totem. Ce reste provient des décombres de la rémotion des habitants de la favela de Complexo do Alemão, c'est une autre favela, périphérie de Rio de Janeiro. Les habitants ont importé de leur maison démolie des restes de murs, de tuiles, de finis de chers objets pour ses souvenirs. À la place, le gouvernement de l'État de Rio a construit une œuvre millionnaire en téléphérique aujourd'hui hors d'usage. L'escalier, monté vers nulle part, est perçu socialement comme preuve du manque de respect, indice d'un avenir invisible, imprévisible, fracturé. 13 jours après l'intervention artistique de Benz dans le complexe d'Allemand, l'escalier monument ruine, pour ne pas oublier, a été détruit par les agents de l'État. Il s'impose l'obligation du silence et de l'oubli. Dans ce temps de crise et de violence à Rio, Ana Paula Lisboa, une femme de 30 ans, écrivain, noire, affirme dans un article publié la semaine dernière dans un journal de grande diffusion à Rio. Pour qui ne possède aucun héritage, le simple fait de projeter la vie est déjà un acte révolutionnaire. Merci. Merci, Michel. Merci. Je crois que tu as abordé autant de thématiques que je voulais discuter ce matin dans ton introduction et demande tellement bien comment le lien très fort entre la mémoire et les droits de la personne, surtout en Amérique du Sud, combien ce lien est important et mène à la justice sociale par les différents projets. On y reviendra. Merci. Rapidement, j'ai travaillé sur la patrimonialisation des mémoires sensibles dans d'autres territoires, c'est-à-dire en France, au sein d'un musée de la résistance et de la déportation à Grenoble, où j'ai suivi pendant plusieurs années un processus collaboratif d'actualisation d'une salle dédiée à la déportation qui m'a amenée en fait à regarder comment on repense la transmission de la déportation, notamment en France, et comment cet enjeu-là de mémoire est partagé, et de façon parfois inégalitaire, entre différents acteurs qui sont des historiens, des témoins aussi qui, à l'intérieur, sont des résistants d'un côté et des membres de la communauté juive qui n'ont pas du tout la même expérience de cet événement historique-là. Et la question que j'avais pendant toute cette recherche-là, c'était comment on peut transmettre une mémoire relié à un événement historique traumatique et comment on peut la transmettre, et donc en transcendant des ruptures de liens, de sens et de temps qu'elle implique. Et une des réponses que j'ai eues pendant cette recherche-là, et que je continue maintenant avec une autre recherche dont je vais vous parler après, est que l'idée était de pouvoir et d'une mettre ensemble, encore plus fort, ok, je vais essayer de crier, donc, de mettre ensemble, de faire dialoguer ensemble, notamment ces communautés mémorielles qui ont des expériences différentes de cet événement-là, d'avoir un processus de reconnaissance aussi entre historiens et témoins, qui reconnaissent que les témoins, et en France, c'est quelque chose qui peut être problématique par rapport au rapport histoire-mémoire, qui reconnaissent que les témoins ont un savoir qui est aussi légitime que le savoir qui est produit par les historiens sur cet événement-là. Mais aussi et surtout, en fait, dans l'exposition, c'était d'intégrer un futur, un événement qui était clos, un avenir qui est un événement qui était clos déjà au départ de par sa nature violente, qui introduisait une rupture très grande. Et pour expliquer plus précisément, c'est-à-dire exposer l'engagement de ces témoins-là après la guerre. Et exposer l'engagement de ces témoins-là dans la transmission de ces mémoires-là, dans leurs engagements dans l'espace public, en tant que porteurs de mémoire et en tant que co-constructeurs de cette mémoire-là. Et ça pouvait donner, en fait, ramener de la vie dans un événement qui était centré autour de la mort et d'une barbarie assez violente, enfin très très violente, et qui est reliée à l'indicible, mais ça c'est un autre débat, et en même temps introduire la notion d'engagement comme porte de sortie peut-être, et comme véhicule et moteur d'une puissance d'agir pour ceux qui recevaient cette exposition-là.
Et donc, cette question-là, je continue à la travailler dans un autre contexte aujourd'hui à Concordia, dans un projet de recherche collaboratif, puis ça rejoint beaucoup Francine Sarian, ce dont elle parlait au départ, c'est-à-dire qu'il y a un projet autour d'une archive vivante de la transmission, en fait, de récits de vie de la communauté, de la diaspora rwandaise, réfugiés du génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc, Concordia, le centre d'histoire orale, a eu un long projet pendant 5 ans autour des déplacés, des réfugiés, des personnes qui ont vécu des violences. Donc, ça a été autant la communauté cambodgienne que la communauté juive, que la communauté du Rwanda, la communauté arménienne aussi. Et et palestinienne aussi. Et ils ont... en fait, collecter plus de 500 témoignages. Et à l'intérieur de ça, il y a la communauté rwandaise sur lequel... et ça a donné lieu, en fait, ce projet-là. J'essaie de résumer très vite parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça a donné lieu, en fait, à beaucoup de formes de transmission différentes, des projets de recherche scientifique, mais des expositions, des balades audio-guidées, des performances sonores, des performances artistiques, des livres, des réflexions qui touchent autant l'éthique de comment on travaille de façon collaborative. Et l'idée principale de ce projet-là, c'est de ne pas travailler sur des communautés, mais avec ces communautés-là, c'est-à-dire les inclure à chaque type du processus et avoir une réflexion de savoir autant celui qui interview et celui qui est interviewé, comment il est transformé par cette relation qui se crée entre ces deux acteurs-là. Donc il y a des visions éthiques, et il y a aussi une façon de savoir comment on peut transmettre ces archives-là, parce qu'on le sait, il y a peu de gens qui écoutent ces témoignages-là. Ça devient une sorte de monument, finalement, de mémoire. On sait qu'on peut pointer... en Californie, il y a je ne sais pas combien de témoignages qui sont situés dans un serveur qu'on peut aller chercher au niveau de l'Holocauste, mais on ne les écoute pas dans leur entièreté. Donc, savoir comment on peut les rendre vivants, d'où l'idée de cette archive vivante-là. Et en fait, un des enjeux pour moi... pour répondre à ta question de départ, c'est comment, comment on peut trouver les possibilités de transmettre cette mémoire, de l'inscrire au présent et de raconter ces différentes temporalités qui sont là. C'est-à-dire de faire coexister à l'intérieur de ces récits qu'on transmet, ce passé et ce présent, et cet avenir possible, en tout cas de dessiner un avenir possible. Comment donner aussi accès à ces témoignages-là pour qu'ils soient propices à générer des projets créatifs et artistiques. Et donc de les modifier. Et pour moi, la mémoire est un objet qui n'est pas figé, mais qui est en perpétuel mouvement. Et pour travailler avec ces porteurs de mémoire-là, ils sont habités en fait par ces questionnements-là de transmission et de faire bouger, de ramener de la vie en fait dans des événements qui sont extrêmement traumatiques. Ce n'est pas l'idée d'effacer cet événement traumatique-là, mais justement de le réinscrire au présent. Et de donner une action potentielle à ceux qui vont les écouter et s'en emparer après. Donc peut-être qu'on peut écouter. Alors c'est un récit qui est assez. C'est juste un petit extrait, mais c'est pour peut-être parler des différentes temporalités et du type de récit avec lesquels on travaille en ce moment. Pour continuer, en fait, l'objectif de ce projet-là d'archives vivantes, c'est de construire donc une plateforme web où il y a autant accessible les témoignages de la communauté rwandaise, mais en même temps de travailler avec des géographes pour créer une carte interactive qui allierait justement le temps et l'espace. Et l'espace, on l'oublie souvent dans ces parcours en fait, de réfugiés. Mais de pouvoir lire ces témoignages-là en indiquant évidemment les lieux qui sont associés à des événements pour ces individus-là, mais en même temps des émotions, et réintégrer cette dimension-là sensible dans la lecture de ces parcours-là dans une carte interactive. Donc ça, c'est un des enjeux, et ce qui fait qu'on travaille de façon très multidisciplinaire avec des géographes qui ont souvent une écoute plus distante, des historiens oraux qui ont une écoute plus rapprochée
de ces témoignages-là, des gens de computer science qui, eux, travaillent avec des algorithmes pour essayer de systématiser et donc qui parfois sont en conflit avec nous de notre côté, qui voulons avoir une expérience beaucoup plus précise et une analyse plus précise de cette réalité, et en permanence avec la communauté, enfin l'association de Page Rwanda, qui est les réfugiés qui travaillent avec nous en fait en permanence. Marie, oui. Il semble qu'on n'a pas le volume, mais comme c'est sous-titré, oui, on peut. C'est ça. Alors c'est dommage parce que la voix est très importante, ouais, aussi, oui, dans la transmission, mais. C'est le récit. Ben, je vous laisse lire. Voilà. Ah, si, ok. Ma mère toujours m'enlace, me serre, elle ne parle pas, et il commence à tirer coup par coup, je n'entends aucun gémissement, aucun bruit, il tire, c'est comme si j'entends les tirs se rapprocher. Et puis, je sens la terre qui saute. Et je sens que ça se rapproche, je sens vraiment la chaleur. Et puis ça tombe sur ma mère. Je sens son corps sauter deux ou trois fois. Je ne me rappelle pas combien, je pense que c'est trois fois qu'ils ont tiré sur elle. Mais je n'entends aucun bruit, elle ne fait aucun bruit. Et là, c'est moi, je me dis, c'est moi, c'est mon tour. Et... j'avais ma main sur le cou de ma mère. J'essaie de faire un pincement. Mais là, il tirait encore, donc j'essaie de me calmer encore un peu. Puis finalement, les tirs arrêtent. Et là, j'entends les bottes, les bruits de bottes. Et puis, je les entends parler. Allez le chercher lui aussi. Et puis, j'entends la voix de mon père. Et il sort comme ça, je devine où est-ce qu'il est, il est devant nous, il nous voit. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, Mwakoziki? Hein? Mwakoziki, Oya, Mwakoziviki. Et puis je l'entends, allez, Oyendanawi, allez, va aussi. Et puis je l'entends descendre vite les escaliers pour essayer de s'enfuir. Il passe devant moi, devant ma tête, j'entends les bruits de pas. Il court et puis il tire sur lui trois ou quatre coups. Et j'entends le souffle, le bruit qu'il a fait en tombant. Je sens en courant, je sentais son désespoir, je sentais qu'il voyait que c'était fini. J'ai senti tout ça. Il a vu sa famille anéantie, puis il a essayé de se lancer dans la mort. Et bon, il est tombé, j'ai entendu son corps tomber, puis là j'ai vraiment compris que j'étais vivant, que j'étais pas mort, que j'étais encore là. Alors, je vous ai montré ça pour deux raisons. Une des premières, c'est que c'est des recherches collaboratives, et donc j'avais envie qu'une des personnes avec qui on travaille soit là, en fait. Et idéalement, oh, plus fort, voilà. Je voulais qu'une des personnes, c'est Frédéric Mugwaneza, en fait, avec qui je côtoie, avec qui je travaille. Je voulais qu'il soit là à côté de moi pour qu'on puisse parler ensemble. Ce qui serait le plus légitime, en fait. Je me sens un peu inconfortable d'être seule pour parler de ce genre de choses. Et l'autre chose aussi, c'est pour voir à quel point, comment, en fait, ces récits-là, comment on peut ensuite transmettre ces émotions-là, ces couches temporelles différentes. Le fait, ce qu'il est en train de dire à la fin, de se rendre compte que j'étais vivant à ce moment-là, il y a l'histoire de l'oubli dont tu parlais aussi, où il y a des oublis nécessaires à un moment donné, pour permettre une survie. Toutes ces phases, en fait, temporelles dans ces récits-là, comment on peut les transmettre? Et c'est ça sur lequel on travaille avec ces géographes, avec la carte interactive, avec la transmission de ces récits-là, avec la communauté. Bref, je laisse ça ouvert, c'est des questions, puis on pourra en débattre. Mais juste voilà. Une petite question avant, oui, de passer aux autres introductions. Si je me rappelle bien, parce qu'il y a plusieurs démarches de collecte de récits de vie, mais à Concordia, la question c'est... Ça se fait sur plusieurs sessions de rencontres, n'est-ce pas ? Ça se fait sur plusieurs sessions, et comme c'est l'idée du lien de confiance est extrêmement importante, et le concept qui est derrière dans ces collectes et ce travail collaboratif, c'est un concept d'autorité partagée qui est, qui est,
qui est développé par Michael Frisch, l'historien américain public, qui parle d'une autorité qui ne fait pas de hiérarchie entre différents types de savoirs et du fait que l'interviewé et autant l'intervieweur est transformé et une relation se crée. Donc, juste pour mettre en contexte. Mais je vais m'arrêter là. Parce que oui, je pense merci. Que... on va changer de registre. J'aimerais bien inviter Simon Chaunu de parler justement de la construction de mémoire au sein des mouvements écologistes et environnementaux et votre recherche. Très bien. Moi, je vais essayer de faire court pour gagner un peu de temps. Donc, mon projet de thèse porte sur la socio-histoire intellectuelle et la critique radicale de la société industrielle. Plus fort. Qui est une branche marginale du mouvement écologiste, mais qui, dans le même temps, s'ancre le plus dans les intuitions originelles de ce type de pensée politique. Plus précisément, j'approche ce sujet sous l'angle du concept de langage. J'essaye de voir si des termes utilisés aujourd'hui par les opposants de nouvelles technologies, des termes comme l'obsolescence de l'homme, la vieille machine, le système technicien, ainsi que des thèmes comme la simplicité volontaire, la décroissance, le rejet de la démesure technologique et la critique du scientisme. Je crois que c'est fort. Pardon, ouais. Forme un ensemble cohérent, et quelle est sa source? Et cette source, c'est l'œuvre d'un petit nombre d'intellectuels du XXe siècle, Lewis Mumford, Jacques Ellul, Gunther Anders, Martin Heidegger, Herbert Marcuse, ou encore Ivan Illich. Intellectuels qui sont eux-mêmes en fait dans un rapport de filiation avec les premières critiques de la révolution industrielle, principalement par des écrivains et des artistes romantiques, qui rejetaient le nouvel ordre industriel et bourgeois, représentant pour eux le triomphe de la laideur, de l'artificialité, du mécanique, de l'argent et de l'hypocrisie. Leurs héritiers, aujourd'hui, avec plus de profondeur et de recul, mettent en cause la centralité de l'industrie, de la technologie et de la science organisée dans les nouveaux modes de domination des sociétés dites développées. Ils en critiquent donc la base productive, refusant d'y voir quelque chose de neutre, d'objectif. C'est en effet la matérialisation d'un imaginaire industrialiste et techniciste qui donne la priorité à la production et la consommation de plus en plus intense de travail, de ressources naturelles, d'énergie et d'objets techniques. On ne le répétera donc jamais assez, les faits techniques sont avant tout des faits culturels. Donc à partir de là, quel est le rapport avec la mémoire? Ce qui m'interpelle souvent en m'intéressant à l'écologisme passé ou contemporain, c'est de constater plutôt qu'un oubli, en fait, même plutôt en fait un effacement de la mémoire et de l'histoire, comment des luttes environnementales, des penseurs, des œuvres ont été oubliées, et souvent en premier par ceux et celles qui devraient être le plus concernés par cette histoire. Ainsi, l'écologisme dominant, majoritaire, est surtout actuellement une sorte de style de vie axé sur la consommation responsable et éthique, adossé sur des philosophies parfois un peu bancales, comme le biocentrisme, et avec l'idée, au fond, que tout cela en fait, est très récent, que la prise de conscience des limites écologiques au développement économique, au développement technique, vient juste d'être découverte. Alors qu'en réalité, c'est une histoire déjà longue. Dès les débuts de la révolution industrielle, comme j'ai indiqué, les artisans, les paysans se sont mobilisés pour défendre leur mode de vie, leur contrôle sur le processus de production, et pas simplement en refusant les machines ou les innovations techniques, mais en demandant, et parfois violemment, comme dans le cas des ludites, de pouvoir avoir un contrôle sur comment intégrer ces machines et ces innovations dans la production. Donc c'est après ça de donner par exemple des mouvements politiques comme le populisme américain, le coopérativisme, le socialisme de la guilde. Au niveau culturel, ça donnait notamment, on l'a vu, ça infusé dans l'œuvre du socialiste et poète et artisan William Morris. Au niveau environnemental, dès le début, pareil, les dégradations ont tout de suite été dénoncées, car contrairement à ce que l'on semble, enfin, aujourd'hui, il y a la thèse dominante que les sociétés en fait développées sont réflexives. On compris que c'est la thèse d'Auril Bech, d'Anthony Giddens, de dire que les sociétés industrielles savent qu'elles font face à des limites, alors qu'en réalité, avant l'industrialisation, les populations avaient déjà conscience de faire partie d'un environnement, même si c'était de façon plus naturaliste qu'écologiste. Par exemple, les bourgeois défendaient la cité contre les ateliers artisanaux, contre les pollutions. Et au niveau, surtout, et donc pour revenir encore au romantique, au niveau artistique et intellectuel, ils ont dénoncé dès la fin du XVIIe siècle la coupure avec la nature, avec l'organique. Et donc pour moi, cet effacement explique notre difficulté actuelle à envisager des trajectoires techniques alternatives qui seraient insérées dans un imaginaire social historique nouveau.
Car même si on tend à dire que nous vivons dans une époque postmoderne où il n'y aurait plus de grands récits, au contraire, moi, il me semble qu'on vit dans une... il nous reste en fait encore un récit, celui du progrès technique. Et même si, à ses origines, il était plutôt optimiste, triomphant, victorieux, il tend aujourd'hui à devenir fataliste. Car on sait qu'il y a un mur, qu'on avance vers lui, et la seule démarche qu'on semble trouver aujourd'hui, c'est de dire qu'en accélérant assez vite, on pourra franchir le mur. On va reprendre. Oui, après, oui. Merci. Passons à la dernière introduction. Sophie Markowski, qui a développé une pratique qui s'oriente justement vers la mémoire du patrimoine architectural, de ce qui nous entoure, mais à travers une pratique, une manière sensorielle, avec des balades, donc pour sensibiliser justement les publics vis-à-vis cette histoire architecturale. On a plusieurs images. Tu nous diras comment tu aimerais défiler, oui. Sophie, en te présentant. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est à qui je m'adresse, étant donné que je tourne le dos et en plus, je ne parle pas fort. Donc, j'ai un petit défi de contorsion. Je vais essayer de m'adresser à l'audience. Donc oui, le patrimoine bâti récent est vraiment, et sa reconnaissance est au centre des préoccupations du projet Portrait Sonore. Par patrimoine bâti récent, c'est sûr que ce serait tout un débat, mais je parle essentiellement des œuvres architecturales, artistiques, des œuvres d'ingénierie qui ont été surtout construites dans l'après-guerre, dans la deuxième partie du XXe siècle. Et je m'intéresse, pour le moment en tout cas, à ce patrimoine-là, étant donné notre rapport ambigu, je crois, ici au Québec et puis ailleurs au Canada et peut-être ailleurs aussi dans le monde. Et donc, justement, avec cette première diapositive et puis la suivante, ce sont juste quelques exemples qui montrent les différentes relations qu'on peut avoir à ce patrimoine-là. Bon, on connaît tous l'ancien pavillon du Québec, c'est sûr que j'ai pris vraiment peut-être un des exemples les plus évidents, mais donc qui était un des rares vestiges de l'exposition universelle de 67, qui était en termes d'innovation technique et symboliquement aussi pour ce qu'il disait d'un Québec dynamique et affranchi, et bon, sur toutes sortes d'aspects. Était un bâtiment d'une grande qualité architecturale et donc qui est devenu une annexe du casino et qui s'est transformé en lingot d'or et qui est devenu un espace plus ou moins inaccessible. Le patrimoine, le domaine de l'Estérel, qui n'existe plus, qui a été démoli, qui est vraiment... qui a été construit à la fin des années 20, qui est considéré comme le berceau du patrimoine moderne au Québec. Un de ses architectes est un disciple de Victor Horta, qui est un des tout grands architectes de l'Art nouveau belge. Malgré de nombreuses actions de la Société d'histoire de Sainte-Marguerite du Lac et de l'Estérel, le bâtiment donc, a été démoli il y a quelques années. Puis dans la prochaine diapositive, ailleurs au Canada aussi, parce que le problème n'est pas seulement ici au Québec. Donc juste un autre exemple, il y en a énormément. La bibliothèque publique d'Ottawa qui va être sous peu, en tout cas c'est prévu de la démolir, qui est un bâtiment vraiment intéressant, une échelle aussi très intéressante en plein cœur du centre-ville d'Ottawa, qui crée vraiment un ancrage qui n'est pas apprécié, qui est fort critiqué, qui est donc qu'on prévoit de démolir. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que pour construire ce bâtiment-là, on avait détruit le bâtiment qui est juste en haut, un bâtiment qui avait été construit au début du siècle parce qu'on avait jugé qu'il était qui n'était pas fonctionnel, le style était peut-être plus au goût du jour, donc on a construit ce bâtiment-là, et maintenant, pour un peu les mêmes raisons, l'histoire se répète. La même chose avec le bâtiment de Winnipeg, Public Safety Building, qui est supposé aussi être démoli sous peu, qui est une ancienne prison qui avait à l'époque, en 67, était sur la liste des médailles Messi pour sa grande qualité architecturale, aussi un grand architecte local de Winnipeg. Même chose qui avait pris la place d'un bâtiment important de style
victorien qui était l'ancien hôtel de ville pour pouvoir le construire. Même histoire qu'à Ottawa, mais donc qu'on avait jugé dysfonctionnel. Le goût n'était plus à la mode. On a construit donc ce bâtiment et l'histoire se répète. Le bâtiment sera démoli pour un peu les mêmes raisons et parce qu'il faut le rénover, le restaurer et il y a un coût impliqué dans ça, donc, etc. Donc, l'idée de la reconnaissance est donc au cœur des préoccupations de Portrait Sonore. Donc, Portrait Sonore, juste en deux mots, c'est un organisme qui met les technologies mobiles au service de la connaissance et surtout de l'expérience directe de la ville et de son patrimoine bâti moderne. Donc, la mission se résume juste brièvement en quelques points. Dynamiser la connaissance, établir des ponts entre ceux qui pensent la ville, la planifient, la créent et ceux qui y vivent, favoriser l'appropriation d'un lieu, d'une architecture grâce à l'expérience directe, multisensorielle, et puis surtout encourager le débat d'idées et ouvrir de nouvelles perspectives. Donc c'est le nom d'un organisme, mais c'est aussi surtout le nom d'un outil qui est une application que l'organisme a développé et qui offre un catalogue de balades, documentaires qui nous amènent à la découverte de notre patrimoine moderne canadien dans 7 villes différentes. Donc Ottawa, Winnipeg, donc vraiment d'ouest en est, en commençant à Vancouver et en terminant à Halifax, en passant par aussi Toronto et la ville de Québec. L'idée, c'est vraiment de nous amener à découvrir directement, donc par le toucher, par le regard, par l'histoire, par la mise en contexte, quelques 150 œuvres architecturales et artistiques innovantes, mais aussi controversées pour certaines, mal aimées, menacées de démolition pour d'autres, mais qui ont toutes marqué le développement de nos villes. Il y a un autre aspect au projet, c'est donc l'aspect justement des témoignages oraux. Étant donné que c'est le patrimoine récent, on a la chance de pouvoir encore recueillir le témoignage des créateurs, des œuvres eux-mêmes, qui sont toujours vivants. Donc, en présence de plus de 80 experts de diverses disciplines et de créateurs, les balades documentaires racontent ainsi d'est en ouest l'histoire d'un pays qui se modernise, un pays où les arts, l'architecture ou le design prennent une place importante. Et donc là, c'est là tout l'enjeu. Et donc moi, je ne suis pas théoricienne, je suis plutôt une praticienne. Donc je peux pas dire que j'ai. Il y a une approche très intuitive. Et je suis là pour apprendre encore et à perfectionner la manière ou la démarche. Mais donc l'idée part à la fois le contact physique et le témoignage et la narration tracer un portrait. D'essayer d'extraire l'essence de ces objets. Et pour le faire, on essaye de confronter à la fois les questions, disons, qu'on demande, qu'on soulève, c'est les ambitions de l'époque, quels sont les rêves de progrès, quels sont les paradoxes, quel était le contexte de création des œuvres, les intentions architecturales, bien sûr, les préoccupations des créateurs à l'époque et aujourd'hui, les défis actuels de conservation. Et donc, à travers tout ça, on parle aussi de transformation du paysage et aussi parfois de la transformation des œuvres pour le meilleur ou pour le pire. Donc, évidemment, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qui vaut la peine de reconnaître et de faire connaître, qu'est-ce qui vaut la peine de conserver ou de transformer, ou que faut-il détruire et pourquoi. Et la question s'était peut-être mal posée à l'époque, justement, où on avait construit ces œuvres-là. Mais aujourd'hui, dans le contexte de ville pour des raisons de pression démographique et de pression économique, donc des villes qui, peut-être, je crois, se transforment de plus en plus vite, quelles sont, et où la démolition souvent a lieu avant l'appréciation, quels sont les outils et quel temps a-t-on encore pour se donner donc le temps de reconnaître et d'apprécier avant d'oublier. Bon, je ne sais pas si ma question est claire, mais en gros, c'est ça. Bien, merci Sophie. J'aimerais revenir avec une question qui permettra, j'espère, un échange
entre vous et ensuite ouvrir au public parce que bon, on nous a donné encore quelques minutes de plus. Francine, dans ton introduction, je trouve que tu as très très bien encadré la discussion en disant comment travailler cette mémoire et surtout avec une pluralité, excusez-moi, de discours et d'acteurs. On l'a entendu à plusieurs reprises depuis hier soir, souvent des concurrences entre les discours étatiques et les discours de communautés minoritaires fragilisées qui essaient de se mobiliser mais qui n'ont pas toujours les moyens. Alors je me demande si on pourrait avoir un petit échange à cet égard vis-à-vis la mémoire selon vos expériences, vos recherches. Autour de cet enjeu de la pluralité, il me semble qu'on a d'abord une question lorsqu'il est question de mémoire minorisée ou de minoritaire, c'est la question du récit national. Et là, ça nous ramène dans quel collectif, dans quelle collectivité, dans quelle société est travaillée cette question des mémoires minorisées. Et ça nous amène aussi à réfléchir certainement sur le cadre des récits, finalement, dans lesquels cette mémoire pourra ou non être reprise dans le récit. Une des préoccupations que moi j'ai beaucoup portées à l'intérieur de ce projet, c'est de me dire, au fond, cette mémoire et aussi quand même cette histoire des groupes minorisés, et en particulier ici les mobilisations du milieu communautaire et des mouvements sociaux au Québec sur les 50 dernières années, j'étais persuadée que ça avait changé le paysage social du Québec, que ça avait changé non seulement l'imaginaire de la justice, mais aussi un certain nombre de cadres légaux et sociaux qui concernent ces minorités. Ce qui fait que la préoccupation d'inscrire, si on peut dire, en quelque sorte, cette mémoire dans un quelque part. On partait pas d'une histoire constituée, mais de fragments épars, de récits, de données extrêmement dispersées et avec lesquelles il fallait composer. Et composer aussi avec des acteurs qui détiennent cette mémoire-là et respecter en quelque sorte les enjeux de droit dont ils ont été et sont toujours, avec lesquels ils sont toujours pris. Alors ça, c'était extrêmement important. Donc, il y a une question ici qui est éthique dans cette pluralité. Oui. À la fois, se poser la question, dans quel pays sommes-nous? Quel est le paysage social du récit national et de la narration du collectif? Comment ces mémoires minoritaires peuvent-elles contribuer à un enrichissement de la version des narrations liées au collectif, sans parler maintenant de national, et comment, au fond, peut-on, comme chercheur et en collaboration avec les milieux et entre nous, pouvons-nous contribuer à cet enrichissement-là? Donc, il y a une question à la fois scientifique, oui. Il y a une question méthodologique, il y a une question éthique, et il y a une question d'élargissement, si on peut dire, de la conscience sociale à travers un meilleur partage de ces mémoires, une meilleure connaissance. Et il y a tous les enjeux de diffusion sur lesquels j'aimerais revenir tout à l'heure. Et je crois que ça, c'est très important. Je dirais même, avant la question de la diffusion, l'importance de donner la voix, de donner la parole, c'est certain. Qui est primordiale. Et dans notre travail... Bon, dire « donner la voix » est toujours un peu délicat, puisqu'ils l'apprennent, premièrement. Mais prendre occasion de cet acte de recherche pour faire un travail de partage et de collaboration qui soit le plus respectueux possible dans la mesure des limites aussi d'une recherche, mais qui permette au moins une visibilisation. Aider à prendre la parole, c'est une autre chose, mais permettre... Favoriser la visibilisation, c'était au cœur de notre travail par les différents moyens de diffusion et par le travail, la recherche s'appelait interreconnaissance. Oui. Donc, le travail de reconnaissance en soi
notre recherche contribuer à la reconnaissance recherchée et d'interreconnaissance. Si on parle de mémoire plurielle, ça veut dire que aussi dans les différents secteurs dans lesquels nous avons pu approfondir ces questions, il y a une pluralité de réalités déjà entre les secteurs, hein, entre, par exemple, chez les personnes handicapées, s'est-on préoccupé des personnes fragilisées sur le plan de la santé mentale? S'est-on préoccupé de la question des femmes, etc., etc.? Donc, le croisement, en quelque sorte, de ces mémoires, mais aussi le travail lent et complexe de l'interreconnaissance, que ce soit à l'intérieur, entre les secteurs, mais aussi dans la société plus largement, était au cœur de nos préoccupations. Donc, ça a voulu aussi dire ça, la pluralité et le partage, finalement, de ces résultats. Oui. Moi, pour revenir à ta question sur le rôle de l'État, en fait, dans la diffusion de ces mémoires-là, moi, je prendrais peut-être plus l'exemple français concernant... Il y a différentes phases d'irruption de ces mémoires-là. Dans le temps, et pour la mémoire de la communauté juive, ça a commencé à un moment donné en 1990, quand l'État a reconnu la responsabilité dans la déportation de la communauté juive en France. La mémoire juive a commencé à prendre sa place et a été entendue, et les musées se sont emparés. Avant, c'était une mémoire qui était détenue, et aussi parce que détenue par la communauté résistante, plus par rapport à... Et parce que cette communauté résistante était impliquée à différentes hiérarchies aussi de la sphère politique française. Et elle était très impliquée politiquement. Et donc il y avait des concurrences de mémoire même à l'intérieur de cette mémoire résistante, entre droite et gauche. Bon, c'est toute une historique française sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais ce que j'ai pu constater, moi, à la fin de cette recherche-là notamment, c'est que... La mémoire résistante, une fois les résistants sont quasiment tous décédés, ceux que j'ai pu avec qui j'ai travaillé pendant ma recherche sont tous décédés maintenant. Eux étaient soulagés de pouvoir confier leur mémoire au musée et d'avoir été reconnus par les historiens en fait comme légitimes dans cette écriture de l'histoire de la déportation et pouvaient mourir en paix. Et ils me l'ont dit vraiment clairement. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement de la mémoire de la communauté juive qui continue, elle, à travailler et être présente dans l'espace public parce qu'elle est reliée aussi à d'autres, internationalement aussi, à d'autres enjeux politiques qui, par contre, pour la communauté résistante, elle, était centrée sur le fait d'être reconnue, intégrée dans un musée et intégrée dans l'histoire de la déportation en France. Donc il y a aussi différents types de mémoire et d'autorisation de l'État qui permet ou pas, suivant les reconnaissances en fait, de telle ou telle communauté, ça serait plutôt du côté français. Ici, je reviendrai peut-être sur quelque chose qui m'a intéressée. Il y a beaucoup de choses dans la conférence d'Alain Berthaud qui résonnaient dans l'histoire de l'avenir, des promesses, et aussi l'histoire du local. Le fait que pour la communauté rwandaise, ce qui est partagé, et je pense dans tout le travail du Centre d'histoire orale sur toutes les communautés avec lesquelles ils ont travaillé, c'est le fait d'avoir la violence qui était commune à tous ces individus-là, et le fait qu'ils étaient à Montréal. Et ça permettait en fait de transmettre et de partager et de pouvoir dialoguer ensemble le fait que cette mémoire-là s'inscrivait dans un local très clairement qui était Montréal. Voilà, ce serait juste ça que... Est-ce qu'il y a un projet, je pense également à la muséalisation de ces mémoires, comment justement démontrer... ces différentes versions? Est-ce que la transparence dans cette volonté de dire bon, voici la mémoire de l'État, ça c'est la mémoire individuelle, les concurrences, est-ce que... Si je reviens en France, c'est inscrit parce que c'est aussi une transmission. Puis c'est maintenant dans les programmes nationaux, à la fin de vers 17 ans, on apprend ça, la transmission de cette mémoire-là, en fait, au-delà de la Seconde Guerre mondiale, on apprend aussi comment elle a été transmise après, et ces différentes phases, donc c'est transmis. Après, est-ce que il y a ce processus de collaboration était vraiment sur le consensus, et finalement, je me suis rendu compte que le partage était limité à un certain moment. L'autorité était du côté de l'historien, en bout de compte, et le témoignage qui était exposé dans l'exposition servait à illustrer en fait
était, je dirais, anecdotique, mais servait à illustrer un propos de transmission d'histoire plus classique. Mais les phases de ces mémoires-là, oui, elles sont transmises. Elles font débat parfois aussi. C'est aussi la question, par exemple, de décrire une juste histoire de ces événements-là. Quelle place on donne aux bourreaux, comment on les expose, exactement. En fait. Comment, sans leur donner autant de place, entre guillemets, que les victimes. Mais je pense que pour écrire une juste histoire, puis là, je me réfère à Ricoeur ou à d'autres gens qui travaillent ces questions-là, quelle est la place de ces bourreaux-là? Au-delà d'un collectif, en fait, qui va être les nazis, par exemple, pour cette question-là, mais qui ne sera pas de l'ordre de l'individualité du tout, et qui gomme, en fait, une partie d'humanité qu'on... Puis là, on pourrait parler d'Anna Arendt, tout ça, mais voilà. Ouais. C'est bon. Merci. Simon, Ligia, Sophie? Non, moi, je voulais simplement dire... Autant j'ai dit donc le mouvement écologiste dans sa tendance dominante n'a pas de mémoire, c'est un mouvement sans mémoire, ce qui a un contraste intéressant par rapport à un autre mouvement politique comme le mouvement ouvrier, où là parfois même certains segments du mouvement ouvrier souffrent presque d'hypermémie, de surmémoire, où on va se souvenir de luttes d'il y a 100 ans et les traiter comme si c'était des enjeux ultra contemporains. Mais pour autant, il y a quand même une tentative de se créer une mémoire ou au moins une histoire. Et donc, dans les marges, dans les mouvements décroissants, chez les anarchistes ludites, qui contestent le plus. Et à ce moment-là, ce que j'ai remarqué, c'est l'importance donc, du coup, de la méthode historique pour créer cette mémoire, qui en même temps, ça pose du coup aussi des problèmes méthodologiques, je pense, qui sont intéressants de manière plus générale. Et là, je pense à un ouvrage assez récent du philosophe Serge Audier, qui porte sur s'appelle La société écologique et ses ennemis, qui veut faire une histoire de l'écologie à gauche au 19e siècle, et qui tend justement donc, c'est très intéressant, c'est très dense, vraiment un livre que je recommande si vous êtes intéressé par ces questions-là, mais en même temps a le défaut de vouloir faire une analyse thématique, et en fait de prendre les thématiques écologistes contemporaines, comme la question du droit animal, ce genre de choses, et en fait de les plaquer sans en fait et du coup en traitant simplement les acteurs du passé comme des précurseurs, et du coup en effaçant en fait ce qu'ils pouvaient parfois dire, en mettant dans des cases qui sont purement contemporaines. On a parlé tout à l'heure du fait que évidemment on interroge toujours le passé depuis le présent, mais il y a toujours le risque à ce moment-là aussi d'effacer une fois encore ce que les acteurs du passé disaient, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont espéré, etc.